Hey, bonjour à tous et à toutes, ici Setcassiel, et bienvenue pour la suite de notre let's play sur Civilization 6 avec l'Empire Espagnol. Et ça fait un moment que je voulais vous montrer quelque chose, mais franchement, le jeu là, il m'insulte. Je suis désolé, mais il m'insulte. Faisant de vous le plus catholique des souverains. Et le cassielisme alors c'est quoi? C'est du catholicisme peut-être? Non, franchement c'est une honte, c'est une insulte au dieu Cassiel. Et moi, personnellement, je trouve ça absolument inadmissible. J'en tire les conséquences en me retirant définitivement de la vie religieuse. Bon, peut-être pas quand même, mais pas loin. Hein. Enfin, dans le jeu, hein, je parle. Pas de jugement ou quoi que ce soit, mais personnellement, je ne suis pas spécialement croyant. Voilà, pour ceux qui se demanderaient. Hein, voilà. Mais bref... Du coup, on en était où? Parce que là, mine de rien, vous voyez la vidéo longtemps après aujourd'hui, je l'enregistre. Mais surtout, moi, ça fait 8 jours que j'ai pas joué la partie. J'en étais où? Ok. Et on répondait le grand cassielisme, loin au nord de nos terres. Bon, là, normalement, on était un peu près bon. On s'était fait un petit peu fait avoir là avec la guerre contre les Romains, qui est toujours en cours. Et du coup, on réunissait par ici, voilà, en attendant de pouvoir envahir religieusement l'Empire arabe. Très bien, ça me va, l'invasion religieuse. Je pense qu'on va passer par là. Hein, on va y aller directement, je pense. Ah. Du combat théologique, ceux qui prennent cher. La Chine qui est toujours en guerre contre les Mongols. Si je ne me trompe pas, dans cette tour, fin de la Renaissance. Et on peut constater que on sera très largement en âge d'or. Hein. Allez, on va tout de suite acheter le missionnaire suivant. C'est à Tolède qu'on les fait, les missionnaires. On les fabrique, comme ça, avec nos petits marteaux. Bonjour, missionnaire. Et les apôtres, du coup, tout. Ça va pas tarder à être plus rentable de faire un apôtre. Hein. Parce qu'on peut facilement lui faire avoir... Ah bah du coup, elle est où l'unité religieuse, là? Il n'y en a pas eu, au final? Bon. Alors toi, tu viens là. Toi, tu vas dormir là pour l'instant. Toi, tu vas continuer. Il t'en reste une. Tu vas aller faire un Mediolanum, je pense. Et ce sera bon. Ah oui, on avait aussi tout le système bâtisseur en place, là. Il faut développer Bilbao et Valence. Et le premier qui me parle de Madrid... Oui, parce que pour ceux qui savent, je suis donc supporter de l'OM. On est le lendemain de la finale d'Europa League contre l'Atlético Madrid, où l'OM a perdu. Donc forcément, voilà, le premier qui me parle de Madrid, ça va chier. Voilà. Voilà, Madrid, là. Est-ce qu'il n'y a pas une option supprimer le club de l'Atlético par ici, là? Là, supprimer le club Atlético. Ah, saloperie. Gros. Bref. Bon, bah là, on va faire une... Pourquoi une mission? Pourquoi pas une ferme? Les missions, on les fera dans le désert, hein. On fait une mission. Il n'y a pas d'habitation, on fait une ferme. Voilà. Hop. Toi, tu viens là. Là, on avait centre d'activité. Là, on avait campus. Les remparts. Et la banque. Apportez le bling. Tout est pour moi. Alors, la cité interdite, mais la culture, nous, on s'en fout un peu. C'est simplement histoire d'avancer.
Alors, Renaissance finie, on rentre dans l'ère industrielle et on va tenter d'aller chercher la première technologie. Et pour ça, on va aller chercher le charbon, les productions plus 1 pour les mines, important. Ah oui, du coup, on a du retard sur cet arbre-là, c'est un peu bête. Bon, c'est pas trop grave. On va aller le chercher quand même. Alors, bon, ici, on va faire une bibliothèque. Ici, bah, tu vas monter par là déjà, toi. Ici, bah, tu vas faire une petite scierie. C'est bête, avec le bleu, on dirait presque une rivière, mais ce n'est pas une rivière. Triangle de ferme ici, au boulot. Là. Ah bah du coup, il y en a un qui vient là. On va aller là-haut. Alors, missionnaire, au rapport. Mediolanum, c'est ta vie, ton œuvre. Tu vas répandre la bonne parole. De toute façon, on a plus de la moitié de l'Empire romain normalement, hein, mais c'est juste que. Bon, j'ai envie de finir un petit peu le boulot là. Alors, ici on avait dit qu'on faisait un quartier, mais alors j'arrive pas à me rappeler quoi. Zone industrielle sûrement. Ou plateforme commerciale, je sais plus. Zone industrielle elle est déjà faite. Elle est plateforme commerciale. Du coup on va venir là. Alors ici, tu peux pas te reposer, mais bon, ça c'est moins grave, c'est les apôtres qui ont besoin de dodo. Allez, viens donc dormir là, toi. Hop, et on avance. La production en science n'est pas folle, mais ça reste satisfaisant. Lisbonne qui sort un chevalier. Très bien. Pour l'instant, on a 1000 de thunes. On est riche. Bon, pas tant que ça, mais... La Chine nous aime bien, Barberousse nous aime bien. Habitation, activité, va falloir qu'on... Ah, bah toi tu te soignes. Voilà, tu te soignes. Alors, toi... C'est quoi comme terrain? C'est une prairie derrière. On n'a pas beaucoup de production ici, donc on va quand même construire une scierie. Même s'il n'y a pas de rivière. Ici, ferme. Comme ça on a le beau triangle. Ici... pareil, pas énormément de montes de collines. Donc. Et par contre, là, on va faire quelque chose. J'ai pas envie qu'elle nous échappe. Tu m'achètes ça, s'il te plaît? Voilà. Toi, tu dors. La paix, ça doit pas être encore tout de suite. Je crois qu'il restait 4-5 tours la dernière fois. On va attendre encore un peu. On va la proposer bientôt. Mais pas tout de suite. Missionnaire au rapport. Ah non, c'est pas des légionnaires, on me dit dans l'oreillette. Bah, je me disais bien qu'il y avait un problème. Pourquoi une mission ici? Là, il y a de la foi. Pou, pou, pou. La ville est déjà niveau 10. À niveau habitation, on est un peu juste. Hein. On va faire une ferme. Voilà. Ce sera mieux. Et du coup, il y en a un, il va falloir qu'il vienne là. Et que ça saute. Toi, du coup, on va faire ça. Non, tu veux pas? Bon. Enfin, c'est toi qui vas aller là. Toi, tu annules. Et toi, bon, allez, viens là. Tu feras le tour. Comme tout le monde. Alors... Traité de paix négocié avec Nan Madol pour Philippe II. Ah, c'est cool. En fait, je savais même pas qu'on était en guerre contre eux. Oui. Alors, tu sais que on t'a quand même converti. On va quand même aller vers la victoire sans une bonne cavalerie, en fait. Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien. Tu vas te soumettre à la cavalerie apostique. Je sais pas si ça se dit, apostique. Bref, apostolique. Apostolique peut-être.
Merde, j'ai un trou là, désolé. Bon, on va dire apostolique. De la cavalerie apostolique et missionnariste de l'Empire espagnol. Oui, je fais pas bien l'accent espagnol, hein. C'est une grosse merdouilleux. Alors. À 210 contre 415, ce sera mieux de faire un apôtre. Donc, on attendra après. Enfin, là en même temps, on a de quoi faire déjà. On a de quoi faire. On pourrait faire un port. Plus 1. On va faire un port. Plus 1. Ici. L'aréna. Ici. Toi, tu es soigné. Viens apporter ta bonne parole. Toi, carrière. Toi, du coup, ferme, hein, ça fait des triangles de partout. Habitation, tout ça. La joie, la bonne humeur et la négresse. Toi, tu vas venir retirer ça, du coup. Donc là, on a déjà quelque chose. Bon, on commence à avoir bien quadrillé le terrain quand même là. Ah ah ah, il y a un bateau de pêche, oui c'est bon. Mais en même temps, avec 5 de thunes sur la case. Un effet. Alors. Ça, on a dit qu'on laissait comme ça, pour l'instant. On pourrait faire une mission ici. Ce n'est pas interdit. Toi, tu dors. Alors, est-ce qu'on peut faire la paix, machin, là ? Oui ? Allez, tu me files ça en plus ? Oh, mais bien sûr. Donc là, t'es d'accord. Tu peux pas accepter. Non. C'est comme ça ? Non plus. Bon allez, on fait une paix blanche, vas-y. Moi, le militaire, c'est pas là-dessus que je veux jouer. Allez, Trajan machin, là. Oh, t'as de la ressource de luxe, quoi. Non plus. Un petit peu de thune. Peut-être pas ça, mais genre... Ça. Allez, sois sympa. Bon, d'accord. Va mourir. Alors, toi, tu m'aimes bien? Ouh, t'as du chocolate! Some chocolate! Pourquoi? Eh oh, je suis pas non plus Crésus, le mec, là. Bon, ben... En fait, il veut la même chose, mais sans la ressource. C'est un peu cher, 10 par tour. Pendant 30 tours, c'est plus de 300 d'or quand même. Allez me dire, on a de l'argent, mais. Barberousse. T'as quoi, Barberousse? Ok, Barberousse, tu es pauvre. Tu es pauvre. Ça, je veux bien. Et du coup, je vais en profiter. Enfin, je vais voir peut-être avec ceux qui m'aiment peut-être un peu moins pour voir si on peut pas. Les épices 11, ça me fait... Ouais, mais ça améliorait nos relations avec lui. Juste pour 2 d'or... Va te faire un... toi, t'es pas loin de chez moi. Si on pouvait t'en payer, ce serait cool. Mais t'as tellement rien, toi. T'as tellement rien... Bon, bah toi, hein, viens là. Je vais te prendre ton sanglier. Allez, les deux. 21 par tour pour les deux. Ça résoudra des problèmes d'activité. Allez, vas-y. C'est cadeau. Hop. Bon, maintenant qu'on est en paix, il y a une armée de mecs en toge
qui vont traverser l'océan. L'océan, voilà, c'est l'océan, faut pas chercher à comprendre. Ça s'appelle l'océan. L'océan quoi? L'océan. Son Lugdunum et Rome sont en train de baisser en termes d'islam. Et du coup, la ville sainte de l'islam, c'est quoi? Sanaa. On la voit pas. Ce qui est plutôt embêtant. Du coup, on va quand même plutôt venir par là. En toute logique. Tu te soignes, toi. Tu te soignes. Alors. Ici. C'est bon. Allez, on envoie tout le monde. Si je me gourre pas, j'en ai pas oublié. Si, voilà. Bon, c'est bon. Alors, paix négociée. La paix, c'est pour les faibles. Dit le mec qui vient de faire la paix. Bon, ça t'attend toujours à Lisbonne, hein. Bon, on s'en fout, de toute façon, ils sont cassilistes. Alors, une petite production ici. On a construit la plateforme commerciale, c'est cool. Dans 19 tours ou 150. Allez, on va faire un beau lieu saint ici. Allez. Toi, missionnaire. Ta mission, c'est d'aller répandre la religion. Toi, pareil. Toi, ta mission, c'est de bâtir, mais on sait pas vraiment quoi là. Ah si, parce que ici, après, lui, il a plus qu'une charge, si je me rappelle bien. Alors, notre espion d'Amiette. Voilà, hein. Tu vas d'abord obtenir des sources, ancrer ton réseau d'espionnage, devenir Jean Bon 007. Voilà. Ou James Bandes, plutôt on est espagnol. Une mission. Ah bah oui, en plus à côté, je suis bête, c'est à côté de ça. Oui, du coup la mission a fait deux sciences, hein. C'est plutôt pas mal, hein. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. En même temps, les quartiers, on les mettrait plutôt là, hein. Du coup, là, je pourrais construire quelque chose. Ce serait mieux. Ce serait mieux. Là, la carrière, elle pourrait être utile à prendre à un moment aussi. Hein. Bon, il va bien aller la chercher tout seul, mais... Alors... Missionnaire, non, on va attendre. Alors, Cordoue. On va le construire les remparts. J'ai pas envie d'acheter des cases de toundra, quoi. Ouais, mais ça, non. J'ai pas envie de perdre les 5 d'or de la ressource. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir me faire, toi? Des prières. Tout simplement. Un petit projet de prière. Allez, toi, viens là. Ah mais une autre mission. Ouais mais l'autre mission a fait 2-2 mais fait pas de nourriture là-bas. Là ce serait x plus 2 également.
mais pas de production. On est en où en habit? Oh oui, l'habitation, c'est chaud là. Allez, ferme. Hop. Allez, va répandre la bonne parole. Toi, t'enlèves ce marais. Il y en a marre de ce marais. Alors. Et. En fait, je viens d'ouvrir qu'on était à 20 minutes, donc on va en rester là pour cet épisode. L'armée religieuse est en marche. Tous en toge, pas d'épée, rien. Hein, au petit cure-dent et à la petite sacoche. On est parti et on va tenter de conquérir l'Empire arabe. Bon, sur ce, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, sur ce, je vous dis Vladalam à tous et à la prochaine.